Donc, on est avec l'équipe B de comptabilité, messieurs, dames. Est-ce que vous avez été surpris par le cas auquel vous avez eu à résoudre aujourd'hui? On a entendu qu'il était long dans les entrevues précédentes. Pouvez-vous confirmer et expliquer pourquoi, là, si vous avez été surpris et pourquoi si vous ne l'avez pas été? C'était très long. C'était vraiment surprenant parce que, justement, le cas était vraiment basé, était très long. Il y avait beaucoup. Il parlait pas de discussion comptable. On n'était pas trop habitué du système, du contexte en tant que tel, où le cas nous menait. C'était plus. Un cas de comptabilité plus de gestion. Dans le fond, on est comme moins pratiqué un peu dans ce domaine-là. On est plus information financière, comptabilité, information financière. Donc, c'est pour cela qu'on a resté surpris hein, un peu plus. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de demandes. Dans le fond, normalement, on est habitué à avoir environ 3 demandes par cas. On en avait 6 sur notre diapositive. Fait que ça complexifie. Pour le même temps. Pour le même temps. Fait que ça complexifie vraiment là, la tâche qu'on avait à faire. C'est sûr que ce qui est aussi encore plus complexe, c'est que toutes les demandes, il y en avait déjà beaucoup, étaient toutes reliées ensemble. Donc, il fallait trouver vraiment un ensemble, exemple un peu un puzzle pour imbriquer les pièces comme il faut, puis que tout s'agence, puis que tout balance, en fait, qu'on soit capable d'effectuer les différents projets ensemble, là, en synergie. Parce que c'est ça qui était probablement le plus long, là, selon moi. Au niveau de la préparation, pouvez-vous nous dire c'est quoi vos facteurs clés de succès là, pendant l'année qui ont fait que vous êtes ici aujourd'hui d'une part, mais que vous avez été choisi là, dans votre école d'autre part? Fait que dites-nous c'est quoi vos secrets? On a une bonne esprit d'équipe, de un. De deux, on est capable de tout se complémenter. On a beaucoup de complémentarité par rapport à cela. Dans le fond, chacun a sa spécialité. Moi, je suis un peu meilleur en point de vue information financière, discussion comptable. Émy est meilleur en certification, puis Gabriel est meilleur en finance. Dans le fond, il y avait beaucoup de demandes de finances. Dans chaque cas de comptabilité, il y a beaucoup de demandes de finances et on traite souvent de certifs et de discussion comptable. Et on se connaît tous depuis le début de l'université. On se tient ensemble un peu, puis la cohésion d'équipe, on l'avait. D'autres facteurs clés de succès pour nos auditeurs? Notre coach Anne-Louise qui nous a vraiment bien coaché tout au fil de la session. On a fait vraiment beaucoup de pratiques, assez vraiment beaucoup investi avec nous. Donc c'est un autre de nos facteurs clés de succès. Je ne sais pas si ça va le voir, mais juste la remercier en fait. Pour ça. La remercier aussi. Puis en terminant, c'est quoi l'expérience que vous pensez retirer des Jeux du commerce et qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui hésiteraient à participer aux Jeux du commerce et votre expérience pour cette année? Moi, je leur dirais, allez-y, foncez, parce que justement, oui, c'est un stress supplémentaire, mais le fait de pouvoir résoudre un cas devant des milliers d'entrepreneurs ou de quoi de même, ça permet genre d'un marque de dépassement de soi. Dans le fond, c'est vraiment très bien marqué dans un CV, dans un curriculum vitae, ça donne beaucoup de visionnement. Oui, c'est sûr que aussi on crée justement une synergie avec nos collègues qu'on ne peut pas créer ailleurs. Puis aussi le feeling quand on sort de là et on a fini. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il faut le vivre pour le savoir. Puis nous, on est en comptabilité, donc on désire tous s'intégrer à un ordre professionnel. C'est sûr que cette expérience-là additionnelle, ça nous permet de nous préparer davantage à atteindre cet objectif précis-là. Je vous souhaite bonne chance puis bonne fin de Jeux du commerce à vous. Merci.